Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tout simplement inviter deux fangirls chez moi. Ils vont venir chez moi passer la soirée et on va faire plein d'activités. Mais restez bien jusqu'au bout les amis, puisque comme vous avez pu le voir sur la miniature de cette vidéo, tout ne va pas se passer comme prévu. Enfin bref, les fangirls ne devraient pas tarder à arriver. Mais en attendant qu'elles arrivent, n'hésite pas en tout cas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. On va tout droit vers les 300 000 abonnés. Et maintenant que tu es abonné à la chaîne, normalement les fangirls devraient arriver. Oh, j'ai vu quelqu'un là. Oh, ok, regardez, elles sont là. Coucou. Oh, c'est Razen. Je suis trop fan. Ok, ça commence déjà les amis. Bon, c'est la première fois qu'elle me voit. Allez, soyez pas timide, en vrai, rentrez. Let's go. Oh, j'adore, c'est trop beau ici, ah, c'est riche. Kiffes, hein. Wow. J'avoue que j'ai pas mal d'argent en vrai, c'est pour ça que je me suis acheté une très très belle villa. Bon, en tout cas, c'est quoi vos prénoms sinon à vous deux? Moi, c'est Lona. Lona, et moi, toi, Sabrina. Sabrina, ok, vous avez tous les deux un prénom qui finit en A, c'est drôle. Bon, en tout cas, Sabrina et t'as dit quoi, Luna, c'est ça? Lona. Ah, Lona, ok, bon, j'ai une fille qui s'appelle Luna, c'est pour ça que j'ai confondu. Bon, les filles, vous voulez faire quoi ce soir exactement? Moi, je vais aller au resto. Bah ouais. Vous voulez aller au restaurant toutes les deux? Ok, bon les amis, on va les date au restaurant. Et bah je pense qu'à la fin, tout simplement, on décidera bah laquelle est la meilleure des filles entre ces deux filles. En tout cas, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans mon bunker. Vous voulez visiter un petit peu ma maison, en vrai, les filles? Mais carrément. Allez, let's go, on descend, c'est parti. Hop, bon bah là, comme vous le voyez, c'est le sous-sol, hein. Il y a un étage en dessous, carrément, voilà, c'est une villa en plusieurs étages. Vas-y, venez, je vais vous ramener au bunker. Oh, ok, hey, toi tu voulais pas qu'elle vienne avec nous, hein? Ok, il y a déjà des rivalités entre les deux, j'ai l'impression. Ok, vas-y, rentrez les filles. Wow. Hey, regardez dans le coffre là, toute la moula qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de diamants, ouais. Hein. Wesh. Ça, c'est joli. Wow, attendez, par contre, il y a la nonne qui passe à la télé. Bon, au pire, on regardera Netflix après. Hop, let's go. On va récupérer tout ça, les amis. Et on va aller direction le restaurant. Vous voulez manger où? Au McDonald's? Oh, McDonald's, oui. Mais tu nous as pris pour qui en fait? Ok, bon, il y en a une des deux qui a l'air un petit peu michetot, hein. Les amis, l'autre elle a dit direct oui. Et c'est toi qui veux pas manger au McDonald's? Mais moi je veux un resto de luxe en fait. Ah, tu veux un resto de luxe? Ok, bon, excusez-nous madame la princesse. Bon, bah on va vous ramener du coup dans un très beau restaurant. C'est parti, let's go les amis, on va prendre ma petite voiture et on va aller direction la nouvelle ville. Et bah on va aller dans un restaurant de luxe, hein, comme je le disais. C'est parti, let's go. Ok, vous aimez bien ma petite voiture là, elle est sympa, non? Ouais, ça va, faut voir combien elle a de chevaux. Ah, t'inquiète, elle a un sous le capot. Bon allez, c'est parti les amis, on va faire la route direction le restaurant. Et du coup, en attendant qu'on fasse la route direction le restaurant, n'hésite pas également à mettre un énorme pouce bleu. En vrai, vu que vous êtes mes fangirls, combien de pouces bleus vous pensez qu'on peut atteindre? Franchement, au moins 700. 700 ouais. Pouces bleus, ah ça va être compliqué. Bon les amis, je compte sur vous quand même. On va tenter les 700 pouces bleus, voilà. C'est les deux fangirls qui vous l'ont demandé. Par contre, il est où le restaurant? Parce que moi j'y suis jamais. T'en as un là ou t'en as un autre un petit peu plus loin comme tu veux? Ah ouais, tu connais bien, hein, tu vas souvent au restaurant toi, hein. Ouais. Ok, bon bah du coup guide-moi parce que je suis un peu perdu. Du coup c'est derrière. Derrière là-bas là? Ouais, tu peux te garer ici. Ok, on va se garer juste là les amis. Allez, c'est parti, descendez les filles. Let's go, et il est où exactement? C'est par là. Ok, vas-y, je te suis, hein. Elle a l'air de très bien s'y connaître les amis. Ok, let's go. Bon, du coup, sinon ça va, c'est quoi ton prénom déjà toi? Sabrina. Ah, Sabrina, tu parles pas beaucoup, hein. T'es un peu timide en vrai. Let's go, je pense qu'elle est intimidée de me voir, hein. Parce que oui, comme je vous le rappelle les amis, c'est une fan girl. Ok, c'est ici le restaurant du coup? Ouais, carrément. Okay. Ah, ça a l'air stylé, hein. On va rentrer, les amis. Pour l'instant, je ne vois absolument personne. Oh, bonjour, madame. Oh, oh, c'est Razen. Ouais, je m'attendais, mais... What? Mais vous me reconnaissez? J'ai vu tout et ne choisissez pas. Ok, mais les amis, qu'est-ce qui se passe, là? Eh, hey, il y a toutes les filles de la ville qui me reconnaissent, là. Attendez, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, nous, on va vous prendre une table. C'est possible, madame? Est-ce que ça vous arrange une table, une place, juste pour vous? Juste pour moi? Bah non, j'ai ramené mes malade. Deux copines là avec mais... Wesh. Oh, oh, non, ok, elle commence à s'énerver les amis. Je crois que ça leur a pas plu. Vous avez deux femmes? Mais la vendeuse est en train de me draguer ou je rêve? Non, c'est pas du tout mes femmes, c'est juste des fangirls.
Ah. Et bientôt sa future femme, en fait. Non, c'est moi, par contre. Non, il n'y aura pas de future femme ou je sais pas quoi. Wow, qu'est-ce qu'ils font là? Eh, vous battez pas, hein. Wesh, attends, arrête. Mais je vais la défoncer si elle continue, Lona, en fait. Lona, arrête, on doit manger, je te rappelle ici. Tu pourras la j'ai un minigun. Wow, là, c'est une arme. Ok, on se calme. Vas-y, venez les filles. On va aller à l'étage, elle va venir prendre notre commande. On se calme tranquillement. Ah ouais, regardez, il y a carrément un étage en haut du resto. Ah, c'est stylé. Bon, moi, je vais m'asseoir là, personnellement. Allez, installez-vous, les filles. Elle devrait pas tarder à venir prendre notre commande. Et pourquoi vous faites les jalouses comme ça, les filles? Eh, parce qu'il y a personne qui te touche, en fait. Ouah, non, mais c'est grave, là. Attends, je suis pas ta chose, hein, non plus, Lona. Ok, c'est bon, il y a la vendeuse. Bon, alors, vous voulez manger quoi, les filles? Un menu pour toi, la Rose. Un menu pour toi, et un menu pour nos choux. Ok, mais c'est quoi? C'est du papier, on va pas manger du papier. Ah non, c'est la carte. Non, c'est le menu, c'est la carte. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Bon, du coup, alors, vous voulez manger quoi, les filles? Je ne sais pas encore. Le calamar, il a l'air plutôt pas mal. Ah, moi, franchement, je vais vous prendre un big burger, là, avec des frites, là. Vous avez ça ou pas? Ah ouais, t'es pas trop romantique, toi. Oui. Ouais, non, pas du tout. Ok, bah moi je vais vous prendre ça, hein, franchement. Je vais le déglinguer, le burger, les amis. Et toi, tu prends quoi, du coup, Lona? Une frite et un burger aussi, s'il vous plaît. Tu vas prendre sans tomate. Ok, et du coup, toi, Lona, tu prends quoi? Bah moi, du coup, j'ai pris un homard. Waouh, wesh. Ah, mais elle a vraiment des goûts de l'huile. Avec un petit peu de caviar sur le côté. Heureusement que c'est moi qui paye, hein, Lona, à la fin, l'addition, hein. Bon, enfin, bref. Bon, du coup, hop, on va attendre. C'est toi qui paye? Bah oui, c'est moi qui paye. Bah attends, j'ai changé mon menu. Attendez. Non, mais wesh. Wow, ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça, les amis, bon. La galanterie avant tout, c'est important, voilà. Du coup, c'est moi qui va payer. Elle va prendre un Happy Meal, mais on n'est pas à McDonald's, là. Oh, elle trouvera un moyen, t'inquiète pas. Ok, bon, sinon, Lona, ça va? En vrai, tu regardes toutes mes vidéos, toi? Franchement, ça fait au moins, je sais pas, 7 ans que je regarde tes vidéos, bah depuis le début. 7 ans, bah t'es une menteuse, j'ai même pas commencé YouTube il y a 7 ans, hein, donc... Ouais, ça va, c'était il y a quoi, il y a 5 ans peut-être, je me souviens, c'était un autre, je sais pas. T'es sûr t'es pas en train de me confondre avec un autre YouTuber, hein? Ouais, peut-être. Ouais, bon, ça commence à être un peu long, hein, moi je commence à avoir très fin. T'as combien d'abonnés, toi? J'en ai 210 000 presque, en vrai. C'est tout? Attends, mais comment ça c'est tout? C'est déjà énorme en vrai, hein. Oui, c'est... Ouais, Raisin, je connais toutes tes vidéos. T'as dit quoi, Lona? Tu gagnes bien ta vie? Ah bah on va dire que ça va, hein, en vrai, on n'a pas à se plaindre, hein. Regarde tous les diamants que j'ai sur Minecraft. Ouais, oh, sinon, ça va, t'habites pas chez ta mère, donc ça va. Ouais, ça va. Bon, du coup, Sabrina, tu voulais me dire quoi sinon, toi? Moi, je regarde toutes tes vidéos depuis 3 ans. Fait que ça fait 3 ans que t'es pas une menteuse, au moins. T'es pas une menteuse, puisque oui, ça fait 3 ans, les amis, déjà que je suis sur YouTube. Bon, c'est bon, sinon, vous avez ramené à manger, madame? Ok, vous vous appelez quoi, d'ailleurs? Je m'appelle Mélanie. Ok, bah, enchantée, Mélanie. Du coup, c'est bon, t'as ramené nos plats? J'ai ramené la commande de l'autre, là. Homard. Ouais, regardez, elle a sorti. Mais il est encore vivant, le homard. C'est quoi ce délire? Wesh, il bouge. Ok, bon. Elle m'a demandé un homard. Je lui ai passé un homard. Ouais, mais il est encore vivant. Fallait peut-être le tuer avant. Ah, il m'attaque. Ouais, je m'attendais. Mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est quoi ce restaurant où tu nous as ramené là, Lona? Là, tu nous as dit que c'était un restaurant de luxe là. C'est quoi ce délire? Bon, vous avez ramené les burgers sinon aussi, Mélanie? Oui, j'ai votre burger. Ok, nickel. Bon, c'est parti, les amis. Wow, c'est un Big Mac, là, comme j'aime, là. Et vous avez le burger pour l'autre fille aussi, Samantha? Mais j'ai changé et elle m'a donné ça. Ouais, je commence à de la terre. Mais attendez, mais elle va pas manger de la terre. C'est vraiment pas bon. Wesh. De la terre 100% naturelle. Ouais, mais ouais, bon, bah tu sais où tu fais la terre, là? Calmez-vous. Non, vas-y, donnez-lui un burger aussi, là, en vrai. On a commandé un burger pour elle aussi. Non, mais... Hop, ok, let's go, c'est bon, elle va lui une donner un burger. Une bouteille de champagne. Non, mettez un burger, on va pas faire... Je ne bois pas d'alcool. Bon, allez, mettez le burger, là. Merci. Ok, merci bien, Mélanie, c'était très gentil de votre part. Bon, c'est parti, on va manger. Bon, bah, vu qu'il faut y aller, hein. Wow, elle a sorti un couteau, là, qu'est-ce qu'elle fait, Lona? Ok, elle est en train de tuer le homard, du coup, la pour le manger. Wow, ok, elles sont un petit peu fofolles, hein, c'est familial, là. Bon, en tout cas, bon appétit, on va bien manger, là, on va bien déguster. C'est parti, les amis, je mange, là. Wow, ouais, ok, elle est super bon, le burger, hein. Par contre, il est bon, le homard, toi, Lona? C'était totalement immonde. Ah ouais, t'as pas aimé, et toi, t'as bien aimé, Sabrina?
Mais surtout les frites, c'est très bon. Ok, bon bah en tout cas on a le ventre bien plein. Bon bah ce que je vous propose maintenant les filles, c'est que bah je vais aller payer hein, bien évidemment hein. Je sais pas combien ça va me coûter d'ailleurs tout ça. Et ensuite bah voilà, on va sûrement rentrer chez moi. Ok, elle est où Mélanie? Elle est plus là, il faut que je paye là. Oh Mélanie! Hein? Wow, c'était oui. Quoi ça? Pourquoi t'as sorti un couteau? Pour rien. Ok, ah ouais, ok, tu viens de la cuisine, c'est pour ça. Bon du coup, je vous dois combien là pour ce restaurant? Vous me devez, je fais un prix d'amis. Pour vous, c'est un diamant. Pour les deux là, c'est 10 diamants. What? Mais attendez, mais c'est un diamant pour moi et 10 pour eux. Wesh. Ah ouais, non mais vraiment, là il y a un truc qui se passe là. Non, hey, range ton couteau là, oh. Calme-toi. Sûr que tu vas me le faire, bah, 10 diamants. Tiens, je vais te donner les diamants, hop, c'est pas grave. Bon allez les filles, on se dispute pas, ça sert à rien. Non, pars pas. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pars pas. Non mais wesh, mais elle est complètement folle elle. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Non mais venez les filles, on va passer à l'étage. Mais attendez, mais elle nous bloque la porte carrément pour pas qu'on sorte. Mais c'est quoi ce délire? Vas-y viens Luna. Oh Sabrina, dépêche-toi. On va passer par ici. Elle est complètement folle les amis, je crois cette fille. Elle est tombée également amoureuse de moi, Mélanie. Hop, vas-y vite, on est passé par la fenêtre. On va rentrer chez moi, let's go. T'es où ok, wow, qu'est-ce qui se passe? Vas-y viens, dépêche-toi Sabrina. On va à la voiture, ok, elle a sorti son couteau. Elle veut nous tuer je crois. Oh là là les amis, elle a complètement pété un câble. Serveuse. Vas-y monte. Sabrina dépêche-toi, vas-y. Ouais let's go. Ok on part les amis, wow mais elle a carrément sorti une arme là. Elle a pété un câble, non. On se retrouve à pied les amis, elle a détruit ma voiture. Vas-y vite courez les filles, on va vers chez moi. Oh là là, on aurait jamais dû aller manger dans ce restaurant, c'est quoi cette malade? Oh là là là, hey, quelle idée Luna de m'avoir ramené à ce restaurant en vrai hein. On est tombé sur une timbrée. Ouais, elle est complètement folle les amis. En plus voilà, je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne. Et là du coup elle veut nous tuer. Parce que voilà, elle a vu que j'étais pas trop intéressé par elle et, ou alors elle est peut-être jalouse des deux autres filles, je sais pas. En tout cas voilà les amis, faut vite qu'on rentre chez nous avant qu'elle bah, nous tue. Ça va les filles, elle courait hein. Mais on fait comme on peut. Ouais, bah vous avez des petites jambes après, hop, let's go. Luna, je t'attrape. Wow, ok, wesh. Elle a attrapé Luna carrément, je crois. Oh, allez, dépêchez-vous, les filles. Courez, on est bientôt arrivé chez moi. On va aller se réfugier dans mon bunker, les amis. Normalement, voilà, elle pourra pas rentrer là-bas. Hop. Vas-y, je vais l'écraser. Oh, non, écrase-la pas. Ouais, si, franchement, fais-le. Non, wow, qu'est-ce qu'elle fait? Wow, ok, je crois qu'elle a esquivé la voiture. Aïe, elle est en train de me tirer dessus, les amis. Bon, attendez, rentrez, allez au bunker, je vais lui parler, moi. Eh, hey, Mélanie, là, qu'est-ce que tu fais? T'as pété un câble. Si tu m'aimes pas, je te tue. Quoi? Tu vas me tuer? Non, les amis, elle a sorti son couteau. Aïe, non. Je vais te cuisiner. Non. Hey, mais tu touches pas Razen, va-t'en. Eh, hey, qu'est-ce que tu fous, toi? Allez, dégage, laisse-le tranquille. Je... Prends tes homards. Je vais mourir, non. Allez, prends-le par les pieds, prends par la tête. Ouais. Wow, elle est partie où? Elle a voulu me tuer, elle m'a planté avec un couteau. Oh, j'ai super mal, les amis. Oh là là, mais comment on va faire? Il faut me ramener à l'hôpital, là. Il y a plus de voiture, il faut qu'on aille chercher la voiture. Ok, vas-y, reste avec moi, Luna. Oh, elle est partie vers où? Elle est partie au restaurant, faut plus y aller. Ok, eh, mais en vrai, j'ai voulu lui la raisonner, mais ça a pas marché, hein. Elle m'a mis des coups de couteau, etc. Mais d'ailleurs, pourquoi il y a plein de crustacés dans ma maison, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Bah, elle a ramené mon repas. Bon, bizarre. Bon, se dépêche avec la voiture, là, en vrai. Je suis en train de mourir, là. Bah, on fait comme on peut, hein. Arrête de te plaindre, aussi. Les hommes, vous êtes tous faibles, de toute façon. Ah, ouais, non, mais j'ai quand même pris des coups de couteau, là, je te rappelle, hein. Ouais, c'est pas faux, mais arrête de te plaindre, sois courageux. Ok, vas-y, je suis courageux pour toi, Luna. Mais vite, qu'elle se dépêche là. Ok, c'est bon, elle arrive avec la voiture. Je suis là. Vite, ramène-moi là. Ok, elle arrive. Hop, ok, c'est bon, je monte dans la voiture. Vas-y, fais une marche arrière. On va aller direction l'hôpital là, vite, faut que je me fasse soigner. Oh là là là, ok, mais c'est quoi cette voiture? Elle avance pas. Oh là là là, les amis. Oh, je vais mourir, je crois. Oh là là, j'en ai plus pour longtemps. Ok, il est encore loin l'hôpital. Dans combien de temps? Une minute à peu près. Ok. Bon, j'espère qu'il y aura des médecins pour me soigner, les amis. Sinon, je vais mourir. Mais elle a complètement pété un câble. Oh, il faut qu'on évite le restaurant là. Faut pas qu'on passe devant, hein. Bah, le problème, c'est que c'est juste à côté. C'est là. Descends. Ok. Hop. Allez, allez cacher la voiture. Ok. Oh, je me sens très très mal. Il faut m'allonger sur un lit d'hôpital là.
Oh là là, ok. C'est ici. Ah, t'es lourd. Bah attends, mais c'est pas un hôpital, c'est un vétérinaire. C'est un hôpital, allez, dépêche-toi, oh là là, monte. Ok, faut que je vais où là? Prends l'ascenseur. Ok, je prends l'ascenseur, vas-y, viens avec moi, s'il te plaît. Ok, let's go. Hop, ok, elle est où ma chambre? Salle d'opération direct. Ici là? Ok, bah attends, mais Lona, t'es médecin? Pas du tout, maintenant je te laisse galérer avec quelqu'un d'autre. Non, mais attends, mais il faut un médecin, je crois que Sabrina, elle est médecin, elle pourra me soigner. Sinon, je peux regarder un tuto sur YouTube pour voir comment réparer une jambe cassée. Oula, mais c'est pas une jambe cassée, là, je t'ai déjà dit, je me suis fait poignarder, là. Je peux regarder un tuto sur YouTube pour voir comment soigner. Ok, j'arrête. Ok, Sabrina, elle est médecin, je crois, elle va me soigner. Ok, vas-y, Sabrina, soigne ma plaie, là. En tout cas, tu vas gagner des points, hein, Sabrina, là, parce que, clairement, voilà, j'ai vraiment besoin d'être sauvé, et Lola, elle est même pas capable de me sauver, quoi. Petite piqûre. Hop là. Ah bah, j'ai pas prévenu que ça allait être douloureux. Ouais, ça fait super mal. Tiens. Tiens, c'est bon, j'ai mis un petit bandage. Ok, un petit bandage, ouais, bon, un petit bandage alors qu'il y a plusieurs coups de couteau, mais bon, ça devrait le faire l'affaire. Ok, wow. D'ailleurs, pourquoi toi t'as un couteau aussi là? Qu'est-ce qui se passe? Non, me dis pas que t'as un couteau aussi maintenant. Non, mais je viens de me battre avec le fiasse là quand même. Ah oui, c'est vrai, ouais, mais garde-le pas, on est quand même dans un hôpital là. Wow, d'ailleurs, j'ai très très mal. Il faut que je reste assis, hein, Va dans ta chambre, tu seras pas bien là. Ok, hop. Bon, en tout cas, les filles, j'ai plus envie de vous voir, hein. Moi personnellement, vous m'avez ramené que des problèmes. Moi non plus, en fait, tu m'énerves. C'est comme ça, ok. Wow, attendez. Nous, on est devenus meilleurs amis et toi, t'es nul. Wesh, ok les amis. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça au final. Bon, bah, les filles sont parties, les amis. Je me retrouve tout seul dans l'hôpital. Mais bon, du coup, voilà, le principal, c'est que j'ai été soigné. Et par contre, voilà, j'ai vraiment pas envie de rester dans cet hôpital. Donc, je pense que je vais rentrer chez moi, les amis. On va sortir. Hop, let's go. En tout cas, voilà, je suis enfin débarrassé des filles. Hop, ok. Bon, en tout cas, elles m'ont ramené pas mal de problèmes. Mais j'espère que cette Mélanie là va se faire arrêter par la police. Parce qu'elle est complètement malade, les amis. D'ailleurs, hop. Faut pas qu'elle me revoie là, attendez, hop, on va passer discrètement. Voilà, hop, c'est bon. Ok, normalement on est sauvé. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Wow, c'était quoi ce bruit? Wow, attends, mais qu'est-ce que tu fais là, le Titan Speakerman? Je sors du restaurant. Quoi? T'as été mangé à quel restaurant? Ah ben, juste celui-là, il y a ma copine qui le tient. Ah mais attends, mais c'est ta copine? Ouais. What? Mais attends, mais elle est complètement cinglée, ta copine, hein. Eh hey, mais tu parles mieux en fait là. Elle a tenté de me tuer, j'ai fini à l'hôpital et tout là. Mais normal, c'est moi qui lui ai dit de le faire. Comment ça c'est toi qui lui ai dit de le faire? Ah ben ça on le verra dans une autre vidéo. Ah ok, bon bah Titan Speakerman salut, hein, moi je reste pas avec toi du coup. Bon en tout cas les amis, c'est très très bizarre ce que m'a dit le Titan Speakerman. Apparemment ça serait sa copine, mais en tout cas voilà, sa copine est complètement malade. Après si c'est lui qui lui a demandé de me tuer, voilà, franchement je vais me venger dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas voilà, je vais rentrer chez moi là du coup comme je le disais. Donc si cette vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications, voilà, si tu veux plus de vidéos avec des fangirls, mais également un énorme pouce bleu. Voilà, il y avait une de mes fangirls qui a demandé 700 pouces bleus. Je pense qu'on peut les atteindre, même si ça risque d'être compliqué. Voilà, je compte sur toi. Mais un énorme pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Et d'ailleurs, regardez ma maison. Waouh, il y a une partie qui est complètement détruite. Là, je vais devoir tout réparer. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ma chambre, elle n'est pas détruite. Du coup, voilà, on va passer par derrière et on va aller se reposer là parce que voilà, franchement, j'ai besoin de beaucoup de repos. En tout cas, voilà, un grand merci également aux acteurs ayant participé à cette vidéo. Il y avait tout simplement DK, il y avait Idash et il y avait Ethmic. Leurs chaînes seront en description. Moi, c'était Razon. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vais m'endormir dans le canapé. Salut, salut!